Yo tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2014 avec toujours Eddy Merckx et la team Pro Team. Ouh, team Pro Team, ça fait beaucoup de team tout ça les amis. C'est pas grave, Besançon Oyonnax, étape, on s'en fout un petit peu parce qu'on va la torcher comme il faut. On va essayer de se remettre un petit peu à la bien cousin. Parce que c'est vrai qu'on se fait un petit peu ridiculiser tout de même hein, par rapport par rapport au coureur qui participe à ce Tour de France, excusez-moi, mais Eddy Merckx c'est quand même au-dessus et on se fait ridiculiser. Même si on a déjà du temps d'avance grave hein, sur nos principaux concurrents, on a perdu deux étapes. Hein. Me semble-t-il qu'on a perdu deux étapes, donc c'est quand même beaucoup. Peu trop même, beaucoup trop. Mais bon, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes et maintes et maintes fois, les amis, nous sommes en mode détente sur ce mode Pro Team. C'est pour ça que ben voilà, c'est pour ça que j'ai Eddy Merckx et que je me prends pas la tête. Hein, je vais franchement comme ça tranquille. J'ai bien lu vos commentaires. Je ne ferai plus vraiment les bugs avec les ravitaillements à 3,2 km. Voilà, j'essaierai de le prendre ravitaillement à 1 km de l'arrivée. Histoire que ça soit un peu plus réaliste. Alors, on va essayer d'aller chercher une victoire quand même sur cette étape-là. Est-ce qu'on fait sortir quelqu'un? Franchement, on s'en fout un petit peu, on s'en moque un petit peu. Le but du jeu, c'est de torcher le Tour de France assez rapidement pour pouvoir tout simplement le remporter. Voilà, c'est tout. Hein. C'est surtout de la détente, ce mode Pro Team. Donc, on va, je pense, faire les arrivées principalement. Hein. On va pas se cacher, les amis, entre nous. Surtout, l'équipe qu'on a, on peut pas viser grand-chose à part Quintana. Hein, voilà. Et Eddy Merckx, bien entendu. Bon, même si je le compte pas parce que on sait très bien. 18 coureurs à l'avant. Ça fait beaucoup de coureurs quand même. Ça fait énormément beaucoup de coureurs tout ça. Donc on va voir comment on va négocier un petit peu cette vidéo. Je pense faire trois étapes je pense. Je pense qu'on va faire ces deux étapes là avec... ensuite c'est Bourg-en-Bresse-Saint-Etienne. Après on fera Champs-Rousses. Me semble-t-il que c'est. Donc trois étapes hein, sur cette vidéo. Au calme. Entre midi et 2. Mais je sais que la plupart d'entre vous, tout de même, les regardent le soir. Hein. Certaines personnes peuvent se permettre de regarder le midi parce que voilà, peut-être qu'ils rentrent chez eux ou je sais pas trop ce qu'ils font. Mais c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous regardez quand même les vidéos à partir de 18h. Donc sachez que si vous n'êtes pas au courant, les vidéos sortent, les modes Pro Team, les vidéos sortent à midi désormais. Et il y a quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne qui sortent le midi désormais. Avec pas mal de rediffusions sur Twitch. Également par la même occasion, ceux qui veulent me suivre sur Twitch, malheureusement je ne stream pas sur le jeu Tour de France 2014, malheureusement pour l'instant, peut-être sur le 2015 je streamerai, j'aimerais bien en tout cas streamer sur le Tour de France, mais je n'ai pas de micro sur la PS4, donc c'est pour l'instant impossible pour moi. Beaucoup d'avance tout de même, hein, les hommes de tête là, ils sont pas là pour beurrer hein, quand même, ils sont bien à l'avant du peloton, là ils gèrent. 17 minutes. On va reprendre la petite course là. Hop. Et on va mettre du grand braquet. On va mettre du grand braquet jusqu'en haut. Parce qu'on est comme ça. On est comme ça avec Eddy Merckx. Hein. On regarde un petit peu le... Voilà, 7 minutes déjà sur Contador. Hein. On peut se dire que le mec il a déjà perdu le tour. Et moi je vais y aller. Grand braquet, mais pas tout de suite finalement. On va faire comme ça. Hop, on va mettre ça. Hop. Grand braquet tout de même. Si on va y aller en grand braquet, on est comme ça. On est des fous. Ça suit derrière, ça suit pas trop, hein, derrière, c'est moins incisif quand même derrière, là, on ressent un petit peu de... Les mecs qui sont en train de se perdre au Tour de France, d'ailleurs, là. Les losers, ils sont derrière, les gars. Et winners, ils sont devant. C'est comme ça, j'ai une épingle de cheveux d'avance sur eux. Ils attaquent juste l'épingle de cheveux, quoi. Ils sont loin, ils sont très très loin. Et nous, on est bien avec Eddy Merckx, hein, voilà, on est tranquille. Donc c'est vrai que c'est trop facile ce mode Pro Team. Je crois voir des commentaires à chaque fois sur chaque vidéo Pro Team, c'est trop facile, etc., etc., avec les légendes. Les amis, je suis au courant. Je suis au courant, les amis. Honnêtement, voilà, je trouve qu'il y a plus d'enjeux à faire un Tour de France avec, par exemple, la Belkins, le Belkin, que faire un Tour de France avec une légende. C'est clair et net. Je m'amuse plus avec Bauke Mollema et son équipe. Que avec mode Pro Team. Parce que là, pour l'instant, mode Pro Team, on a fait le tour. Hein. On va pas se le cacher, c'est terminé. Dès qu'on aura terminé ce Tour de France avec Eddy Merckx,
je pense qu'on ne retournera pas sur mode pro team. Enfin, de mon côté. Et après le Tour de France de la Belkin, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, je pense arrêter les vidéos de Tour de France après. Me consacrer un peu plus de temps sur PCM. Donc il y aura toujours du vélo, hein. Vous pourrez toujours suivre mes vidéos sur PCM. Il y en aura peut-être un peu plus finalement. Ou peut-être une de plus par semaine, parce qu'il y en a deux. Il y aura peut-être une de plus. Donc voilà, après ça peut être sympathique de me suivre sur PCM. C'est quand même beaucoup plus complet. Voilà quoi. Moi je vous conseille de vous rendre sur PCM. Après, faites comme vous voulez. Mais vous pouvez attendre l'année prochaine aussi, hein, pour le 2015. Malheureusement, il n'y aura pas de DLC sur ce 2014. Donc je pourrais pas faire les DLC, il n'y en a pas. Donc après, à vous de voir, quoi. Si vous voulez me suivre sur PCM, bah, venez sur PCM, on s'amuse autant. Si ce n'est plus, avec des formats vidéo qui correspondent un peu plus... on s'ennuie moins avec les nouveaux formats de vidéo que je vous propose. Puisqu'il n'y a que les moments forts de toutes les étapes. Hein. Donc là, vous vous ennuyez pas. Et voilà, je gagne, enfin je gagne, non, je gagne pas, il y a des échappées devant. Ça, j'en ai oublié de le souligner, hein. Une fois de plus, je gagne pas cette étape-là. Parce qu'il y avait encore beaucoup d'échappées à l'avant. Ils avaient plus de 14 minutes, plus de 18 minutes même parfois. Donc voilà. Mais là, je pense qu'on prend du temps quand même avec Eddy Merckx. Là, honnêtement, là, on a encore repris du temps. Il est où? 14, on a repris une minute. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, on sauvegarde quand même. Petite save, ok, ok. On va diriger sur Bourg-en-Brest. Pareil, hein, cette étape-là, étape de plaine. Qu'on ne participera pas des masses. On va tout de même faire ça et ça. Bourg-en-Brest-Saint-Etienne. Ensuite, c'est Champs-Rousse, si mes souvenirs sont bons. Donc, pendant quel temps de chargement, les amis, je vous invite également, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos Tour de France avec l'équipe Belkin, je vous invite à aller les regarder, s'il vous plaît. Parce que vous avez peut-être loupé un concours. Et un concours assez important pour tenter de remporter des dédicaces signées des deux coureurs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos Tour de France. Je fais ma petite promo pendant le temps de chargement. Histoire de faire passer les choses tranquilles. Voilà. J'ai un chat qui me regarde sur la droite, un chat qui me regarde... sur la gauche, ça fait presque peur. Je me dis que je suis pas tout seul. Ça va, ça me rassure. On va simuler une bonne partie de l'étape. Hein. C'est pas très intéressant comme étape. Qui plus est, en plus, ils oublient des grimpeurs. Il me semble qu'il y avait un grimpeur sur la dernière bosse. Normalement, en vrai. Enfin, ils oublient pas mal de choses. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Allez, je vais vous faire gagner un petit truc pour cette vidéo, les amis. Il faudra mettre hashtag Xbox Live Gold en commentaire. Voilà. Et je vous ferai gagner 2 jours d'Xbox Live Gold. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, il y aura un tirage au sort à la fin de ce Pro Team. Je vous ferai gagner celui que je tire au sort, eh bien, 2 jours Xbox Live. C'est pas grand-chose, mais au moins... Avec ces 2 jours-là, dites-vous bien que vous pouvez télécharger les jeux gratuits. Hein, ça vous offre la possibilité d'obtenir 2 jeux gratuits, me semble-t-il, sur le Gold. Et en plus, avoir pendant 2 jours des réductions sur tout le contenu Xbox Live. Donc, ça peut être sympathique. Voilà. Donc, hashtag Xbox Live Gold. Et je ferai un tirage au sort pour élire le gagnant. Voilà, et je le contacterai par message privé sur YouTube. Alors, on en est où là? On arrive à 40 km de l'arrivée. Vraiment hâte d'être sur l'étape de Champs-Rousse, parce que là, ça commence un petit peu à être chiant, les étapes de plat. Ça m'ennuie. Qui plus est, les échappés, ils partent, on les laisse se sauver comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu en soi. Allez, on va tout de suite, les amis, reprendre. Donc là, Amador, Roy et Meyers, ils ont gagné, je pense. Ils ont fait une belle échappée. Et nous, on va essayer d'aller chercher Kittel. C'est Kittel, hein, le maillot vert pour l'instant.
même si c'est moi qui ai le plus de points, vu que j'ai déjà maillot jaune, il peut pas. Enfin, je peux pas porter de maillot. Ça me semble assez logique. Est-ce qu'on peut prendre une roue là? J'aimerais prendre une roue de quelqu'un là, les gars, ça serait cool. Hey, Tony, je sais que tu fais toujours des bons petits. Des bons petits. Bonnes petites places, donc je me dis que ça peut être sympathique. Allez, je prends le ravitaillement aussi. On fera pas une bonne place là. On est pas bien. On était un peu loin, mais bon, on va quand même bien remonter. Voilà, on est bien remonté tout de même, hein, là, on peut pas dire le contraire. Mais bon, c'est pas suffisant, malheureusement. C'est pas grave, franchement, là, je me laisse aller. Je me dis que le but du jeu, c'est de mettre le plus de temps possible. Même si on ne mettra pas une heure, hein, ça c'est clair et net. Je pense que... Ok, vous le savez. Enfin, une étape de haute montagne. Là, on va vraiment se régaler. Hop, on va même prendre ça comme gel, histoire de vraiment pouvoir anticiper les choses. Champs-Rousses, ou plutôt Saint-Étienne-Champs-Rousses, là il y aura du spectacle, là il y aura de l'ascension, là on va s'amuser. Et voilà, hein, c'est ce qu'on veut quand on joue au Tour de France, merde, on veut s'amuser quoi. N'est-ce pas les chats? N'est-ce pas mes abonnés? N'est-ce pas mes amis sandwich? Ah là 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 là. Avec ces temps de chargement toujours de 6 plombes, hein, 6 années complètes à attendre sur ces putains de pages de chargement. Mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule d'attendre comme ça sur ces pages-là, toujours les mêmes. Ils pourraient mettre des informations plus importantes ou laisser ces informations-là qui sont quand même beaucoup mieux que le contrôle de la manette qu'on connaît par cœur. On pourrait presque même dessiner la manette depuis le temps qu'on connaît les bails. Non, mais sérieusement, quoi, les gars, faut arrêter de pousser mémé dans les orties, quoi. Non, mais allô. Oh là là là, je m'énerve tout seul. Allez, on avance rapide. On verra ce qu'on peut faire sur cette étape-là. Ça m'a l'air d'être plutôt correct. Hein, surtout au vu de Dimerckx. Hein. Voilà, on sait très bien que en montagne, niveau statistique, ça va être dur de l'égaler. Voilà. Quintana, Mesquèque, Engoulevent, Labouri, Lemoine, Simon Yates, Gertrude. Ouais, Gertrude, waouh! Van Endert et Eddy Merckx, c'est les 9 hommes de mon équipe qui prendra fin, donc à la fin de ce Tour de France là, de ce mode pro team, prendra fin. Faut bien une fin à tout, hein, c'est vrai les amis, c'est vrai que moi on me connaît surtout comme youtubeur qui a des séries qui malheureusement sont quasiment infinies. Je prends exemple de plusieurs séries. Je prends exemple du mode World of Oxor sur le jeu World of Warcraft. Plus de 187 épisodes. Je pensais pas que ça allait s'arrêter un jour. Et ça s'arrête enfin pour, bien sûr, redémarrer sur une deuxième saison. Voilà, ça redémarre encore. Autre exemple, le mode carrière sur PCM. Voilà, je perdais le nom, pardon. Cherchais le nom dans ma tête. Le mode PCM, donc. Le mode carrière sur PCM, pardon. Bah pareil, là ça va durer encore pas mal de temps, parce qu'on est que début de la saison, donc c'est très long une saison. Donc voilà, pareil, c'est encore des épisodes qui vont durer, n'est-il pas, très longtemps. J'ai relancé la course, pas pourquoi, c'est pas grave. Je vais resimuler. Donc ouais, des épisodes qui vont durer encore très longtemps, il y a eu plein de séries comme ça, j'ai fait plein de séries qui ont duré très 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 longtemps. Des séries plus courtes, hein, comme Walking Dead, qui a très bien marché également. Cette série Walking Dead qui, encore maintenant, fonctionne. Hein, les gens regardent encore ces vidéos-là, ils les aiment bien. Si vous ne les avez pas vues, hein, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos Walking Dead, si vous voulez franchement avoir une histoire passionnante, pleurer, rire avec moi, eh ben, venez regarder mes vidéos sur Walking Dead, on va vraiment bien s'amuser, les amis, je vous le promets. Que là, ça s'annonce d'être épique. Allez, c'est parti avec Quintana, on va lui demander de relayer fort, parce qu'on va faire la montée, nous. Là, on rigole plus, les gars, c'est terminé.
Moi, j'ai plus envie de beurrer les sandwichs. Là, on va beurrer carrément la montagne. Là, c'est beurrage de montagne. Là, il n'y a pas de respect, les gars, c'est comme ça. Voilà, j'ai la route Quintana, c'est ce que je voulais. On est parti, mon petit. Je veux que tu me fasses un écrémage comme seul toi sait le faire. Donc, tu me fais plaisir, Quintana. Tu mets la 18e et tu montes. Regardez ça, ça monte vite, hein, ça monte vite, hein. Même si je pense que je pourrais monter plus vite que lui, mais c'est déjà un écrémage. Un écrémage qui est en train de se faire. Un écrémage qui est en train de s'opérer, bien entendu. Il y a qui devant en première position? Géniez, Navarro, Ejdal, Andy Schleck, Krukrui, Montfort et Riblon et Plaza. Il y a Kirinka en train de se relâcher. Forcément, haute montagne, le mec qui a un peu de mal. Allez, Quintana. C'est bien. Tu me fais plaisir là, dans cette attention. Pour l'instant, c'est très bien. L'écrémage s'est opéré. On est bien. On est posé, comme dirait mon boy Swagman. Même si je n'ai aucune affiliation avec lui, hein, mais j'aime bien un petit peu ses répliques. Je pense que vous l'aurez compris. Ok. C'est bien, Quintana. Continue ton ascension, telle quelle. D'ailleurs, c'est en train de craquer. Moi, je peux te le dire, les mecs, ils regardent leur compteur, ils regardent leur pulsation par minute, ils se disent « C'est un peu trop haut !» Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que Quintana nous prépare? Eh bien, Quintana, il vous prépare la cuisine, les amis, là. Ça sent bon, n'est-ce pas? Ça lâche, hein, d'ailleurs. Ça lâche un petit peu. Rajkovic, Kreuziger, Costa. Costa lâché. Ouh, bon, ça, bueno. Bueno. Hey, it's Mario. Bueno. Non, c'est très bien. Nibali, Contador s'accroche. Froome, Valverde, Rodriguez. Et je crois que c'est Mollema qui est en train de craquer, là. Mollema, ouais, c'est Mollema qui craque complètement. Un petit peu à la rue, le pauvre. Quintana, lui. Quintana monte à son rythme. Et ça, regardez, ça empêche les attaques. Ça n'attaque pas. Ça monte tellement vite que ça n'attaque pas. Personne ne veut se prendre une estocade. Et là, c'est Rodriguez qui craque. Valverde également qui craque. Froome qui craque. Nibali ou Contador qui craque en premier, les gars? On prend les paris. Qui c'est qui craque en premier? Quintana? Contador, Nibali? Pas moi déjà, c'est sûr. Ouh là là, Nibali il est pas au mieux. Hein. Nibali il est pas au mieux. Oh, Nibali qui, voilà. Nibali qui perd des hectomètres. Nibali qui perd la route Contador. Nibali qui perd carrément son vélo. Nibali s'est fait voler son vélo, les amis. Nibali a perdu son vélo. Ouh, Quintana c'est dur. Oh, Contador c'est dur. Allez. Petit ravitaillement. Calme. Et Quintana, c'est bien, tu m'as bien monté la voie là, le gars. C'est très bien. Merci, Quintana. Très aimable de ta part. Et moi, j'y vais. Reste pas dans le roue, reste pas dans le roue. Ça sert à rien. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, tu ne pourras pas me suivre. Tu es trop petit. Tu es trop jeune. Tu peux pas me suivre. Je suis ton père. Quintana, je suis ton père. Suis-moi du côté obscur de la force. Bon, et bien voilà, Eddy Merckx, Quintana, joli duo. Duo intra-segment impossible, bien entendu, parce que Quintana était un comme moi d'ailleurs, comme nous tous, hein, était un petit spermatozoïde quand Eddy Merckx gagnait ses premiers tours. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Belle opération. Contador qui a passé Nibali, il s'accroche dans la roue de Quintana. Je veux pas que tu le traînes par contre, Quintana. Je sais pas du tout envie que tu traînes ce mec. Hein. Ce que tu fais au pire, tempo, fini tranquille. Voilà. Je veux pas que tu les traînes. Je pense que. Voilà, c'est pas à toi de les traîner. Hein. C'est à eux de se traîner tout seul. Allez, 5 km pour la tête de course. Moi je suis à 7 km. Avec une barre jaune. Voilà. Hein. On va pas se. Parce qu'on se cache que les. Assez basse pour l'instant. On est donc à 4. Oh là là, Contador en train de prendre l'eau complètement. Prends cher, Contador. Allez, 6 km. On va toujours bien opérer. Hein. Contador et maillot à poids, c'est ça. Hein. Ouais. Maillot à poids, Contador.
On rattrape qui devant là? Kirinka, semble-t-il. 5 km. Je passe le grand braquet sur 200 mètres à chaque fois. Sur chaque kilomètre, je passe le grand braquet 200 mètres. Comme ça, au moins, je me sais que sur 200 mètres, je suis sans doute le plus rapide et ça ne me fatigue pas plus que ça. On rappelle que Contador était à 5,59 il n'y a pas si longtemps. Il est à 5,56. Ah non, non, en fait, non, c'est bon. Aussi, quoique. Je sais pas en fait s'il gagne du temps sur lui. J'en sais rien. J'ai pas fait attention. Allez, on arrive aux 3 km de l'étape. On est plutôt bien pour l'instant avec Eddy Merckx. C'est vraiment pas mal. Ruben Plaza qui a gagné l'étape? Non, Cru qui a gagné l'étape. Oh là, c'est bien ça. Bon OP. Très très bon OP. On rattrape qui là? Les Aguerres? Anton? C'est qui ça? Qui es-tu? Plaza, d'accord, ok. Normal. Contador est bien derrière, hein. Il lâche pas l'affaire le mec, hein. Il est encore présent. Il est là, il est aux affaires. Contador qui est en train de traiter un chèque, je pense. Je déteste ce virage, je m'étais fait bouffer sur le Versus par l'IA. Je vais bien prendre, je vais le prendre comme ça, voilà. Comme ça moi je suis sûr de pas me vautrer. Allez, 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 on y va à fond, à bloc. Yes! Pile poil ce qu'il me fallait pour terminer l'étape. Ah, j'ai hâte de voir comment je remets là, aux principaux leaders, sur cette première vraie étape de montagne. Hein, là, les planches des Belfis, c'était un petit peu du pitcha à côté. Hein, voilà. Mais là, c'est vraiment la grosse étape de montagne. On va voir ce que je leur mets dans les dents ou pas. J'ai hâte de voir ça. Vraiment très, très hâte. À votre avis, je remets combien de temps? Je finis à 2,59 et Contador à 6 minutes. En gros, je lui mets 3 minutes, hein, au mec. Hein, sur la montée. Ce qui est pas mal. On sauvegarde. J'ai oublié de sauvegarder. Ok. Ok. Alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le classement général. Je suis à 10 minutes ou pas? Ok, je peux pas voir pour l'instant. Je peux pas voir. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas me montrer. Champs-Rousses, on a déjà fait. C'est pas grave, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous, je vais éternuer, donc je préfère vite couper les amis. Plein de gros bisous, porte bien, salut tout le monde, bye bye.